connecté. Voici le premier mot qui me vient à l'esprit quand je conduis une Lotus. Connecté non pas au sens numérique du terme, non, mais émotionnellement. À l'époque des voitures autonomes, électriques, où les écrans deviennent plus grands et l'implication du conducteur de plus en plus faible, Lotus offre une connexion pure, simple, analogique à la route. La radio est éteinte, le dieu smartphone est dans le vide-poche, vous vivez dans une Lotus l'instant présent. Et voilà, ma nouvelle voiture. Ça ne pouvait être qu'une Lotus. Évidemment, j'ai réussi à trouver, après des mois de recherche, une Lotus Exige V6, donc la dernière des Lotus Exige, avec ce fameux vert anglais. Et là, on est sur un Motorsport Green. Alors, pour parler un petit peu plus en détail de la configuration de cette Lotus Exige, c'est donc une Lotus Exige V6S, donc les premiers modèles qui font 350 chevaux. Il y a eu énormément de déclinaisons depuis 2014, cette voiture existe. Elle s'est terminée en 2022. On a eu les 350, les Sport 350, les 360, 370, 380, 390, 410, 430. Au milieu de tout ça, il y a eu des Cup, des Sports. Donc vraiment, il y a une quantité phénoménale de Lotus Exige et de versions. Moi, j'ai choisi vraiment spécifiquement celle-là, pas par défaut. Je voulais absolument une S pour avoir cet aileron-là, que je trouve absolument magnifique. L'aileron des Cup est vraiment impressionnant, mais on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus race. Et pour le race, j'ai ma Lotus Elise que vous connaissez bien dans la série de Road to Track Day, où là, c'est vraiment une voiture de piste. Là, j'avais besoin d'une GT+. Et pour le coup, je trouve que la ligne de cette voiture dans cette finition Exige S est fantastique. J'adore le galbe de cet aileron. J'adore le travail des pièces en aluminium qui viennent supporter la partie en fibre. Ce que j'adore aussi, c'est la partie vitrée de l'arrière. Les cups et toutes ces versions-là plus race, plus extrêmes, ont quelque chose d'ajouré avec des lamelles comme ça en carbone ou en fibre. Ça cache le moteur. Je trouve que là, ça la rend vraiment beaucoup plus supercar dans cette configuration. Et j'adore cette ambivalence. On sait que c'est une voiture racing, on sait que c'est une voiture qui est faite pour la piste, mais sous cette ligne-là, on pourrait se laisser tenter à dire que c'est une GT. Alors, cette voiture est truffée de détails esthétiques et il y a quelque chose qui me plaît, moi, particulièrement, et je ne me lasse pas de regarder cette forme-là. C'est vraiment cette sculpture du clamshell avant, toute cette partie-là, extrêmement travaillée, et je la trouve personnellement absolument folle. Non, c'est même pas des grilles factices, c'est vraiment une ventilation, je pense une aération pour la partie roue et freinage. Mais vraiment, cette shape-là est complètement folle. On voit également la partie en V de l'arrière de la voiture qui se resserre vers l'avant pour regalber. Donc avec les grosses hanches, encore une fois, à l'avant. Donc peut-être hanche derrière et on dira épaule devant, je sais pas. Mais ça fait vraiment fuser et ça regrossit, ça vient remassir l'avant. La ligne est folle et il y a tellement de petits détails à regarder, tellement de choses qui ont été travaillées. Enfin, moi, je la trouve phénoménale, cette voiture. Petit point aussi intéressant en comparaison d'une version Cup. Le capot avant, cette partie-là est peinte, cette grille est différente. En tout cas, c'est la grille classique et je la préfère largement en comparaison des versions Cup qui ont une espèce de proéminence ici. Peut-être que c'est en carbone, mais ça, c'est plus dans le coup de la teinte de la voiture et ça me dérange un petit peu. Là, j'aime bien toute cette profusion de couleurs, juste cette petite grille que je trouve vraiment magnifique, un petit peu surlignée par cette lame-là, qui est une lame d'origine. Je trouve vraiment l'ensemble parfaitement équilibré pour le coup. Au niveau de la configuration intérieure, on est sur une configuration plutôt luxe. J'ai des sièges, on va dire sièges baquet, mais en tout cas ils sont en cuir, donc c'est un petit peu plus luxueux que les versions racing en Alcantara. Les panneaux de porte, pareil, noir sur piqûre rouge. Le volant, là pour le coup j'aurais préféré un volant en Alcantara, c'est un volant en cuir. Il est vraiment tout petit, c'est vraiment impressionnant. J'ai l'impression qu'il est plus petit que mes volants à moi en 300 mm. Néanmoins, on sent qu'il y a vraiment un plus au niveau agrément, au niveau équipement par rapport aux anciennes versions Lotus Elise et tout ça. On a quand même les vitres électriques, on a un sélecteur de mode de conduite en mode normal, road, en mode race, en mode track et en mode off. Ça c'est plutôt intéressant, donc ça change la réponse à la pédale, ça change si
l'ESP est déconnecté ou pas, ça décale le rupteur de 200 tours en mode race et off. C'est plein de petits agréments qui font qu'on monte un petit peu en gamme et l'esprit GT, voilà, réapparaît. J'ai, fait exceptionnel quand même sur une Lotus Exige, des sièges chauffants. Je sais pas si je vais m'en servir beaucoup, néanmoins j'ai des sièges chauffants. J'ai même un système de sonorisation qui est pas du tout bon. Mais n'empêche que j'ai 4 enceintes et un lecteur CD et aussi une prise USB. Donc c'est quand même... j'ai pas l'habitude. Et c'est vraiment ce que je recherchais. Quelque chose d'un petit peu plus GT. Au niveau du moteur, 3,5 litres V6 compresseur origine Toyota, 350 chevaux. Ça sort pas tout à fait ses chevaux d'origine, on est plus à 325-330. Néanmoins, ça marche quand même très très fort. La boîte est relativement courte également et ça fait que l'ensemble fonctionne très très bien. D'autant plus que la voiture est relativement légère, 1200-1250 kg sur ces versions-là. Et ça donne vraiment un ensemble très dynamique. On soulève tout le haillon à l'arrière. On se retrouve sur l'œuvre d'art, ce V6 avec l'énorme compresseur. Là, on est ligne d'origine, collecteur d'origine, catalyseur d'origine, boîte à air d'origine. Donc c'est plutôt silencieux. Ça fait du bruit, mais on n'entend pas forcément le compresseur. On l'entend un petit peu siffler, mais on sent qu'il y a beaucoup, beaucoup de pression d'air dans l'échappement. Et on sent que c'est un petit peu étouffé. Voilà, ça mériterait d'être un petit peu plus libéré. Et effectivement, toutes les versions Cup, les 380 Cup et ces modèles-là font vraiment beaucoup plus de bruit. Le V6, la sonorité du V6 est beaucoup plus présente parce qu'ils ont un échappement tout simplement beaucoup plus libéré. Quand je parlais de l'agrément GT de cette voiture, un petit peu plus cossu qu'une Lotus Elise précédente génération, je veux parler notamment de l'habitabilité et du coffre. On a quand même un coffre plutôt cossu, plutôt bien moquetté, bien cloisonné. Il y a quand même pas mal de place, étonnamment. À peu près similaire à la profondeur de coffre de mon Cayman GT4 à l'avant. Et ça, c'est plutôt appréciable. C'est-à-dire qu'avec cette voiture-là, on peut partir en week-end, se faire un petit road trip avec madame ou avec monsieur et sans qu'il y ait trop de problèmes pour emmener les bagages. Bon, on va aller rouler un petit peu la voiture. Je vais vous donner mes impressions de conduite, sachant que la voiture, je l'ai depuis très très peu de temps. Donc ça va vraiment être ce que je ressens en prenant en main pour la première fois la voiture. C'est parti. Un petit launch control. Non, je rigole. Bon, c'est parti pour un petit essai sur la route. Les conditions se sont fortement dégradées. Il y a beaucoup de pluie. La luminosité a fortement baissé. Ça inspire au respect de la voiture, à l'humilité. Néanmoins, ça n'empêche pas de prendre un petit peu en main la voiture. Premier ressenti, l'embrayage. Il a été renforcé. C'est l'embrayage des 350 de base est quand même un embrayage extrêmement faible. C'est vraiment le gros point faible de la voiture, donc il casse très rapidement. Donc là, on a un embrayage 6 patins, AP Racing, c'est vraiment viril. Au niveau de la pédale d'embrayage, on a l'impression de kicker un 500 CR, c'est vraiment un truc de bonhomme. Au niveau de la commande de boîte, j'ai la commande de boîte des phases 1, celle qui est censée être moins bien que la nouvelle, ajourée, un petit peu modifiée. Franchement, c'est pas si mal au niveau du débattement, au niveau du verrouillage, au niveau de la précision. Effectivement, c'est moins parfait que le GT4. Néanmoins, ça fait quand même parfaitement le boulot. Par contre, il faut un petit peu décomposer, ça c'est clair. Au niveau du moteur à bas régime, quand on roule tranquillement, c'est quand même un moteur relativement souple. Il y a énormément de relances qui se font entre 1000 et 2000 tours sans aucun problème. Donc là, pour le coup, il est très coupleux. Et c'est vrai que ça, c'est un peu différent par rapport au GT4 où il fallait cravacher. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus facile à vivre bas dans les tours. Il y a beaucoup plus d'agrément moteur, en tout cas on le sent au niveau couple, et ça c'est vraiment sympa. Au niveau de la direction, le volant est tout petit et la direction n'est pas assistée, donc c'est vraiment du sport. À basse vitesse, il faut vraiment s'occuper du volant, il faut vraiment le tourner. On ne peut pas juste le tourner à une main comme ça à basse vitesse. C'est là où on s'aperçoit que d'avoir une direction non assistée, c'est vraiment cool parce qu'on sent vraiment le feeling de la route. C'est nous qui tournons et qui donnons l'orientation qu'on veut donner à la voiture. Au niveau de la sonorité moteur, c'est plutôt sympa, même si c'est quand même relativement feutré. Comme je le disais tout à l'heure, on sent vraiment que le moteur est vraiment étouffé pour le coup. On le sent vraiment à cette sensation d'étouffement. Les gaz d'échappement ont du mal à s'évacuer, ça doit être étouffé par les catalyseurs. On sent même que l'admission, elle a du mal à aller chercher tout l'air qu'il lui faut pour alimenter le moteur. Il en résulte un son quand même vraiment très... complexé, c'est peut-être le terme complexé. On est vraiment sur quelque chose d'étouffé et ça fait plus de bruit à 2 ou 3 000 tours que ça fait de bruit à 6 000 parce qu'après il n'y a plus qu'un gros bruit d'air et c'est tout ce qu'on entend.
Donc c'est assez frustrant. Là en fait, à ces régimes-là, 2000-3000 tours, c'est là où on a les meilleures notes du V6. Après, ça part juste dans un souffle en fait. Et là, si on essaye de donner un peu de rythme. On peut pas forcément trop accélérer parce que il y a quand même beaucoup de pluie sur la route. Ce qu'on note, c'est qu'elle a énormément de freins. Je ne m'attendais pas à avoir un freinage aussi impressionnant. Mais ça, c'est vraiment l'évolution par rapport à mes versions d'ancienne Elise. On a un Master Vac. Donc ça démultiplie la force au niveau, exercée au niveau de la pédale de frein. Et c'est vrai que là, pour le coup, le freinage est bien plus agréable. Avant, on freinait avec son pied sur les plaquettes directement. Là, il y a quand même une petite assistance. Il y a l'ABS également. Mais c'est vrai que là, les freinages sont beaucoup plus efficaces. Et en fait, il y a énormément de mordants tout de suite. Même là, hein, franchement, les conditions sont cataclysmiques. Et la voiture s'en sort quand même pas mal. Hein. C'est vraiment quand même une voiture qui donne confiance et qui met en confiance. On sent aussi que là, c'est les suspensions d'origine. On sent qu'il y a un petit peu de pompage. Il y a un petit peu de roulis. C'est-à-dire que il y a une petite phase où elle a besoin de se mettre sur ses appuis et après, ça va bien. Et pareil, au niveau de l'accélération, on sent qu'elle décolle un peu. Et au niveau des freinages, pareil, on sent qu'elle s'aplatit un petit peu. Donc ça, c'est vraiment, on le ressent. C'est quelque chose qui ne devrait pas arriver avec des voitures sportives telles que celle-ci. Mais bon, voilà, c'est l'orientation, la typologie des suspensions qui fait que, voilà, on est sur quelque chose de plutôt GT avec cette configuration Exige S. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui a corrigé assez rapidement parce que parce qu'il y a quand même des petits mouvements de caisse. Wow, quel enfer, quel enfer! Regardez ce déluge! On enlève les caméras. Dans tous les cas, les gars, pour cette voiture, on a quand même un beau programme. Il va se passer des choses. Il y a un petit peu de préparation, il y a un petit peu de roulage sur circuit, un petit peu de road trip qui se prépare. 2023, ça va être une belle année. Nous, on remballe tout ça et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao! Thank you.